Eh bien, salut à tous, c'est Slamsucker. Cette fois-ci, on va se retrouver sur Minecraft la 1.8. Et j'ai mis un mode qui est pas mal pour. Je sais pas, pour n'importe quoi. Quand vous avez besoin d'un abri, la Friend Touch, je vais y arriver. C'est un mode qui. C'est un cube. Vous le posez et vous avez une maison. Une maison, mais. Tout dépend de l'endroit et au moment où vous êtes. Et là un petit peu de problème graphique. Là je vais vous montrer comment s'en servir. Donc parce que j'ai vu sur certains forums qu'il y en a qui ne savaient pas s'en servir du tout. Donc comme ça, ça vous permettra de voir à peu près ce que ça donne de l'intérieur. Là je dois être dans le cube médium. Enfin c'est pas mal. Oula. Un peu encastré dedans, mais bon. Qu'est-ce que ça va donner? Donc les maisons sont très bien faites, même. Ça évite d'en faire quand on a la flemme de les faire. Donc je continue. Bon, bah, si vous avez remarqué une petite rivière à côté. Hein, ça, c'est la 1.8. Voilà. Donc assez grande et assez pas mal même. Enfin, c'est même très joli à voir. C'est visuellement, ils l'ont bien fait ce mode. Ça sert vraiment. Alors, je crois que ça va être la dernière. Ça c'est une... hop là. Donc celle-là je l'avais déjà vue. Elle est immense et spacieuse. Là, j'ai percuté un arbre. Ouais, ça c'est le défaut, c'est qu'il prend aussi des cubes alentours. Donc voilà. Hop, ça va aller plus vite. Ouais, c'est pas beaucoup. Donc six modes pour être en multi, ça serait une maison pas mal. La petite chambre à coucher. Sympathique aussi, ouais. Et de dehors, ça fait une petite... Non, une grande maison plutôt. Qui est pas mal. Même de l'intérieur. Donc la dernière... Ça, c'est la maison. Une maison qui est dans les arbres. Donc, ça, j'avais vu sur le site. C'est pas mal du tout. Hein. C'est en hauteur. La nuit, ça protège un peu des zombies, quoi. Ça, c'est bien, ça. Belle vue, même si là, il y a du brouillard. Et voilà. C'est à peu près tout ce qu'il y avait dans ce mode-là. Donc je vais vous laisser, c'était Slamsucker, un petit test de la 1.8 French Touch. Salut!